Ce petit groupe de personnes se rend dans un magasin bio avec une feuille de route très stricte. Confectionner un repas complet pour 12 convives avec un budget de 40 euros. Pour relever ce défi, il faut de la méthode. Petit 1, privilégier les fruits et légumes, réduire les viandes. Petit 2, choisir des produits de saison, moins chers. Et petit 3, bien faire ses calculs. Donc là, on est à 11,23, sans compter les champignons et la crème. Donc on a encore de quoi se prendre la crème. Ah oui. Crème végétale, quitte à réduire un petit peu la quantité de champignons. À l'arrivée en caisse, pari tenu, le dépassement est minime. Avant, on faisait des repas collectifs pour 3 euros par personne. Maintenant, on fait des repas collectifs bio et on n'a pas changé le tarif, c'est 3 euros par personne. Et on est à la calculatrice, on est ric-rac, mais on y arrive. Une fois par semaine, les membres de ce groupe d'entraide mutuelle font les courses, cuisinent, puis mangent ensemble. Pour des personnes en situation d'isolement et dont les revenus sont souvent maigres, ce repas est l'occasion de manger sain et équilibré. Chez moi, je suis seul, donc je cuisine plus. Je fais des plats vite fait. De toute façon, c'est pareil. Je prends pas le temps de cuisiner. Bah, du coup, alors apparemment, sur la recette, c'était mettre une cuillère. Ça fait du bien. Maîtriser tout le processus depuis les courses jusqu'à l'assiette les rend acteurs de leur nutrition. Et manger bio est aussi une victoire contre l'exclusion. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisaient même pas à la démarche, pensant qu'elles étaient déjà, a priori, exclues du bio. Donc oui, c'est important. Et puis c'est important après en termes de santé, en termes de goût aussi. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, bah, donc, je redécouvre le goût des tomates, par exemple, cet été. Enfin voilà, c'est réapprendre à manger, c'est réapprendre à cuisiner. Et voilà le risotto. Au menu aujourd'hui, salade d'endives, risotto et pommes au four. Un vrai festin pour 3 euros.